Les gars, venez ici s'il vous plaît. Rachid, coach de l'AB pour cette année. Dimanche, match amical contre Court Dimanche. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Court Dimanche, je vous mets un événement sur Sport Easy. À partir de demain, ceux qui sont là, vous mettez votre présence. Ok. Ceux qui ne sont pas là, vous mettez la non-présence. Ça marche? Ouais, donc alors ce que je voulais dire, c'est que vous l'avez vu, sûrement j'ai parlé un petit peu du projet de la Ligue des Champions amateurs, donc je voulais en parler rapidement. Parce que pour faire simple, le club, au début on faisait juste des matchs amicaux, après on est devenu vraiment un vrai club très sérieux, mais on veut vraiment garder cet un peu ADN, vidéo YouTube, un peu divertissement, etc. et pas faire non plus que du foot, compétition, district. Donc du coup, on participe à cette compétition, c'est vraiment ultra cool. En gros, pour résumer très rapidement, c'est un club italien amateur qui a organisé ça. Ça s'appelle le Phoenix Trophy. Et en gros, il y a 12 équipes d'Europe qui vont concourir pour essayer de gagner le titre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau est assez élevé parfois. Notamment, maintenant, on est dans le groupe de Manchester, le FC United of Manchester, qui est en niveau limite D7 anglais. Mais en Angleterre, le niveau il est très élevé, donc c'est déjà un très bon niveau. Et on aura aussi une équipe de Pologne, de Cracovie, qu'on va affronter. Juste. Alors oui, le projet est alléchant, il donne envie. Moi le premier, même si je joue pas, même moi il me donne envie. Mais n'oublions pas qu'il y a un championnat et que le championnat reste aussi une grosse priorité. Et la Coupe de France. Cette année, je vais rejouer avec le Vinsky AC, ça fait vraiment très plaisir. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient quand est-ce que j'allais rejouer. C'était pas prévu, mais là avec la Ligue des Champions amateurs dans laquelle on va participer, je vais rejouer en tant qu'arrière droit normalement. C'est une compétition qui est reconnue par l'UEFA, donc c'est une compétition officielle. Ça va être incroyable. Pour préparer cette compétition européenne, on va aller à Montréal en octobre. Ça va être là aussi fou, une expérience humaine qui va encore nous apporter énormément. Ce sera un tournoi de 8 contre 8 avec plusieurs équipes montréalaises et on sera la seule équipe française. On essaiera d'aller la gagner tout simplement. Moi, je serai là aussi en tant que joueur. Donc on va donner le maximum. Comptez sur nous. Là, je vais chercher là-bas. Voilà. Là, il faut leur donner un fétis. Tu te décales, tu lui redonnes. Tu la donnes à Flo. Contrôle orienté. Non. Contrôle orienté le long de la ligne et tu frappes. Et là, je donne là. Tu le remets. Là, tu me la remets. Je lui mets. On a recruté une belle équipe, une bonne équipe secondaire. Je dis secondaire parce que c'est sur le papier, mais en vrai, on a deux bonnes équipes. Je pense que ça va apporter plus de motivation pour l'équipe, pour le club, parce que comme ça, les mecs en B, s'ils veulent atteindre la A, ils n'auront pas d'autre choix que de s'entraîner à 200% à l'entraînement et de gagner les matchs. A contrario, l'équipe A, s'ils veulent pas descendre en B, ils vont devoir jouer à 200% les entraînements et les matchs. Donc en gros, tout le monde a y gagné dedans. Et même s'ils descendent en B, de toute façon, l'objectif il est d'autant plus important que la première. Donc on va essayer de préparer le début de championnat au mieux, parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer cette année, le championnat, la Coupe de France, et puis du coup la Phoenix Cup, que j'ai parlé juste avant, une Ligue des Champions amateurs. On va avoir deux matchs à l'extérieur, un en Pologne, Cracovie, et le second à Manchester, donc c'est pas Manchester United, mais c'est une très bonne équipe anglaise, et après deux matchs à domicile, donc on verra bien. Les objectifs cette année, évidemment, la montée. Si on est champion, c'est encore mieux dans les deux équipes. Après, d'aller plus loin dans la Coupe de France. Il y a un joueur, Batista, il a mal à l'adducteur. Bah, il s'arrête. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, this babe, need you every day. You light my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. Premier match amical, pour certains, premier match depuis un petit bout de temps, des retours de blessures, des retours de vacances, donc ne trichez pas, laissez-moi les égos au vestiaire s'il vous plaît, on est là pour jouer au foot et prendre un peu de temps de jeu. Parfois, dans les matchs amicaux, quand on revient, il est peut-être plus préférable de se laisser faire passer que de se blesser et de se dire « Ah, il faut pas que je me fasse passer ». Il y aura des groupes, des montées, des descentes, des A, des B, il y aura des égos, il y aura tout ça, il faudra aussi tout dissocier et se dire que parfois, il faut avant tout penser au groupe et non pas à son bénéfice personnel, d'accord? Et par les matchs amicaux, ça commence par là. Prenez du plaisir ensemble, d'accord? On fera des erreurs, vous allez en faire. Il n'y a que comme ça qu'on progressera en groupe. Ok les gars? D'accord? Allez, c'est parti. Ballon, deux colonnes pour les titulaires. Contrôle, passe, remettez-vous en sensation.
décalé. Coulissez. Et toujours 2-3 mètres derrière Fab. Ouais. Tu vas plus vite que lui, tu as plus de vitesse que lui. Tu vois, tout à l'heure, vous étiez sur la même ligne, vous êtes fait aspirer tous les deux. C'est comme ça qu'il marque. Okay. Et 2-3 mètres derrière Fabio parce qu'il a moins de vitesse. Il est sur l'homme, il est bon, mais il a moins de vitesse. Et 2-3 mètres derrière. C'est dommage qu'il ait été très hésitant, Titi, quand même, parce que là. Ah oui, ça c'est beau ça. Oh là là là. C'est bien, c'est pour Nico dans la surface de réparation. La frappe de Nico, elle est touchée par la défense. Massiaski, à coup de cul. Paul a toujours le ballon. Non, j'ai rien. Il a plus. Et ça repart de l'autre. Parti. Numéro 13 de qui? Il reste combien de temps, Romain? Calme. Là par contre, sur le côté, faut que tu joues un peu moins une touche de balle, faut que tu tricotes un peu là. Okay, quand t'es en contre 1, n'hésite pas à y aller. Hein. Si tu rates, tu rates, c'est pas grave. On s'en fout. Ok, t'es pas en championnat. Oh là là, lui va dominer à l'heure, le numéro 13, c'est dans un centre, mais... Attention, peut-être le 2-1. Le 2-1, peut-être. Oui, tu y es pas. Il est pas au milieu, là, la récup. Bien joué, ça. Va, bah, emmène, t'as le temps. Oh, hey, ta tête, Polo. Il y a un peu de chance, il peut avancer, c'est pas son côté préférentiel. Il rentre intérieur, il tente de jouer pour Nico, la poitrine, il va se battre. Allez, vers l'avant, Caillou, vers l'avant. Regarde Florian, vers l'avant. On vient pas dans l'axe. Ça passe. Directement, prenez les côtés. Oui, c'est bon. Non, il couvre. Le centre de 20. Non, il n'y a personne pour reprendre la tête. Bien joué. Encore. Non. Le but est sain. Le but est sain. Par un. Edouard, s'il vous plaît. Edouard, tu vas être un peu plus excentré. C'est Mathias qui va être en 9,5. Oh, bien joué la part numéro 11, là, qui a mis les deux défenseurs qui en ont changé la barre sur le côté. Important. Il est incroyable, ce gardien. J'avoue que quand il court là, le 13 et ses Ah, c'est dur, hein. Ça va, Nico? De toute façon, j'espère, parce que tu vas finir tout le match, mon gars. Ouais, mais y'a pas de problème, moi je suis chaud là, j'ai envie de gagner là. Non, gagner c'est pas le problème, Nico.
Là, ce qu'il faut, c'est que tu prennes du plaisir et des sensations, Nico. J'ai fait du sport, tout ça. Mais... Je suis pas venu juste parce que j'avais pas venu pour courir à Manonville. Oui, non, mais je suis bien d'accord avec toi. Non, mais ça, c'était pour ceux qui étaient à côté, surtout. Ouais. Mais tu vois, quand tu joues comme ça, déjà, tout le monde autour de toi se régale. Lui, il vient d'arriver, mais lui, il joue en deux touches, déjà. Mais c'est toujours ce que je t'ai dit. Dès que tu lui demandes, il te la redonne. C'est toujours ce que je t'ai dit. Quand ça joue vite, j'ai pas d'intérêt à mettre le jeu. Parce que le jeu, il va vite. Mais le problème, c'est que là, c'est facile parce que lui vient d'arriver. Donc, il sait très bien que t'es un ancien. Donc, si tu lui demandes, il va te la redonner. Et quand tu joues avec des Nathan ou des machins, ils ont fin de ballon aussi, donc forcément. Le problème, c'est quand on va comprendre que. Si tout le monde joue comme ça, exactement. On va être les meilleurs. En fait, dès que tu accélères le jeu, eh oui. Je vais pas le ralentir, c'est la balle, elle arrive vite. Oui, je suis d'accord. Moi, je le sens, tu vois. Je le ralentis parce que, vu que la balle arrive lentement, oui. Le toque, moi, je me retourne. Ah ouais. Si les gars, ah, mais c'est ils ont fait 3-4 touches après, c'est fini. Ah, c'est pour ça que là, les ça joue une touche. Je vois Nico, je suis obligé de le mettre, je peux pas faire ah, je suis Écoute-moi. C'est juste un conseil que je te donne. En vrai, tu peux la passer parce que ton tir est dur. Je l'ai pas vu. Non, attends, écoute-moi. Si t'es face à face, tu dois pas la donner, tu dois tirer. Là, c'est juste que tu penses à lever la tête. Ok, c'est tout. Mais c'est normal, t'es fatigué, c'est le premier match, ça fait longtemps. Voilà. Mathias, regarde l'arbitre, on est dans le temps additionnel. Encore, allez. Et peut-être le 3. Oui. Ah, c'était bon. Il a été servi. Dans le dos, malheureusement. Allez. Je crois que c'est la dernière. On va court dimanche, je vais la jouer. Derrière. Il y a Borges. Là, il y a Borges. Le 13 va la jouer à fond. Mathias, il gagne. C'est sûrement la dernière action de ce match amical, la frappe, elle est concrète, Sky met bien le pied, il y a 10 dernières actions. Pour le Mathias par contre, c'est quelque chose. Le ballon est toujours blanc, et c'est terre, il est sur le score de 3 buts à 2. Hey. I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like it's Peter. Taking it deeper, and that's how it better be.